suis né à Paris, hein, dans le 10e. C'était l'appartement de ma mère, de mes grands-parents maternels. Donc, 10e arrondissement, voilà, c'était juste après la guerre. Donc, on est en 46. Et puis, j'ai grandi donc dans cette famille, dans ma famille. Donc, ma mère est parisienne, elle aussi d'ailleurs, mais mon père est arrivé à Paris en 29 d'Ukraine aujourd'hui, c'est-à-dire de Galicie en fait, d'à côté d'une ville dont on parle beaucoup ces jours-ci, de Lviv. Et il est arrivé en 29, il a fait un apprentissage où il a complété son métier de tailleur. Et jusqu'à 39, jusqu'à l'année 39, et là, il a été mobilisé dans l'armée française pour la guerre. Il est parti se battre donc comme comment s'appelait, comme une sorte de légion. C'était la Légion étrangère, enfin voilà, puisqu'il n'avait pas encore la nationalité. En fondant une famille, il a voulu reprendre un petit peu le relais, le lien avec la tradition qu'il n'avait sans doute pas eu de manière très appuyée dans les années qui précédèrent la guerre. Et à l'époque, pour un juif immigré, parce qu'il était un juif immigré, de se fondre, de s'incorporer, de se mettre dans la communauté juive parisienne existante, c'était pas facile. On pourrait dire, il y avait deux alternatives. C'était soit dans une communauté consistoriale, mais c'était difficile, c'était quand même une tradition qui était plutôt judéo-alsacienne, qui était plutôt française. Et sinon, c'était de fréquenter, de se raccrocher à une communauté qui était orthodoxe, c'est-à-dire des communautés d'un judaïsme très de stricte observance. Il n'y avait pas d'alternative. Donc il a choisi le juste milieu, si je puis dire. Mon père a choisi de se rattacher à la communauté de la rue Copernic, c'est-à-dire de l'Union libérale israélite de France de l'époque. Il y avait dans cette communauté un esprit très attachant. On pourrait citer les noms. Donc le rabbin, c'était le rabbin André Zaoui à l'époque, et l'officiant, c'était Émile Katzman. C'était une communauté comme les communautés consistoriales, où il y avait l'orgue, il y avait le chœur qui fonctionnait pour les offices. Et avant la bar mitzvah, j'avais eu souvent l'occasion, aux côtés d'Emil Katzman, de chanter, de participer activement aux offices à ses côtés. Voilà, c'était très, très fréquent. Et à ma bar mitzvah, donc évidemment, dans la tradition qui était établie par la communauté libérale, j'avais fait une grande partie de l'office avec lui, comme on pouvait le faire. Et voilà, ça c'était le premier bain, on peut dire, dans la musique religieuse de l'époque, puisque rue Copernic, donc on utilisait pratiquement les mêmes airs que ceux de la rue de la Victoire ou que ceux des synagogues consistoriales. Voilà, c'était la Hazanout, la liturgie traditionnelle française, entre guillemets. Donc mon père aimait bien les offices chantés, aimait bien suivre un office. Il écoutait, je rajoute cela en plus, on écoutait, j'allais dire religieusement, chaque semaine l'émission Écoute Israël à la radio, c'est-à-dire c'était pas France Culture encore, donc l'émission de Léon Algazi avec Katzman justement, c'était un peu le moment hebdomadaire. Il n'y avait pas de télé, hein, il n'y avait pas de source de vie, donc c'était en général, on en a quelques enregistrements ici, c'était en général une partie musicale et puis un entretien de Léon Algazi avec quelques invités, etc., etc. Et ça aussi, ça, c'était un temps fort, on va dire, dans la vie musicale. C'est l'émission hebdomadaire Écoute Israël qui vient de commencer. Elle est consacrée aujourd'hui à l'audition intégrale du service sacré de Léon Algazi pour soli, chœur et orgue. Cette œuvre, qui est un office du samedi matin, selon la liturgie des synagogues dites libérales, sera interprétée sous la direction de l'auteur
par Marie-Louise Giraud, organiste, Émile Kassmann, basse, Elie Taub, ténor, et l'ensemble vocal Léon Algazi. Ils se sont fixés à Soissons, dans l'Aisne, pas loin de Paris. Et là-bas, pas de communauté, rien. Il y a quelques familles juives, etc. Donc mes parents se sont dit, on ne va pas emmener les enfants, on ne va pas les stopper dans leur étude de l'hébreu, du Talmud Torah, de l'instruction religieuse, etc. Avec mon plus jeune frère, on est entré en tant qu'interne à l'école de l'avenue Secrétan, c'est-à-dire à l'école Lucien de Hirsch. Et donc là, on a quitté le Talmud Torah, on est entré dans une école juive à plein temps, et interne de surcroît. On était en 56, donc j'avais 10 ans. C'est la 7e à peu près, classe de 7e, ouais. Donc, et puis à partir de là, on a tout le cursus jusqu'au bac, je l'ai suivi en école juive, après Lucien de Hirsch, qui n'était qu'école primaire à l'époque. À partir de la 6e, je suis rentré à Yavneh, etc. etc. En étant à Yavneh, qui était dans le 5e arrondissement à l'époque, qui était proche du séminaire de la rue Vauquelin, il y avait une possibilité, parce que l'école fonctionnait un peu à mi-temps, à cause de l'exiguïté des locaux, donc il avait possibilité d'étudier en même temps au séminaire, c'est-à-dire à l'école rabbinique de la rue Vauquelin, et à Yavneh, qui était à 150 mètres l'une de l'autre. Et donc, à partir de la seconde à peu près, j'ai intégré le séminaire pour y étudier, pour intensifier l'étude religieuse, enfin l'étude Torah. Et en même temps, Yavneh, avec son propre enseignement juif, plus le bac. Donc, voilà. Et à partir de là, j'ai, en intégrant le séminaire, j'ai choisi la section qui existait à l'époque, la section qui s'appelait Liturgie-Pédagogie. Elle était dirigée par Léon Algazi, justement. Donc j'ai intégré cette section où l'on apprenait tout ce qui était rattaché à la célébration des offices, un petit peu de musique, solfège avec Monsieur MC, un peu de piano, un peu de et toutes les études qui sont liées à le fait de tenir, enfin de suivre le rituel, de suivre le déroulement d'un office avec les prières particulières, enfin, tout ce qui concerne la chazanout et le fait d'être ministre officiant. Il faut dire que c'est bien connu. Nos liturgies ou nos rites, nos traditions même folkloriques, elles sont comment pourrais-je dire, elles sont inter-imbriquées, je ne sais pas si le mot est exact, elles sont vraiment enchevêtrées les unes dans les autres. Mais il y a quand même des éléments qui sont propres à chacune. Bon, il est certain que chez les Ashkenazes, d'ailleurs le mot Ashkenaz veut dire allemand, donc on est sous influence un peu germanique, un peu allemande. Dans la liturgie polonaise, on est plutôt slave, on est plutôt... Il y a même beaucoup de choses comiques qui sont dites là-dessus. Un chazan polonais, sfard, donc de la liturgie d'Europe centrale, et pleure un peu, est un pleurant, est un petit peu un rite comme ça. Quand on est dans une liturgie ashkénaze, on est beaucoup plus musique classique, on va dire. Il y a un sketch très célèbre comme ça que j'avais présenté, je sais pas. On voit donc qu'il y a des caractéristiques propres à chaque rite, déjà chez les Ashkenazim. Mais il y a quand même souvent l'un qui influe l'autre. On voit bien que dans
Les Polonais, on introduit des rythmes chassidiques dans une liturgie qui se veut chanter. On y met des négonim. Chez nos coreligionnaires sfarades, on a les mêmes interpénétrations qui se font. Et c'est très amusant de se dire, tiens, il a pris un peu de cela, il a pris un peu... Chez les sfarades, on a des influences irakiennes, on a des influences Afrique du Nord et, ou turques. Et souvent, il y a comme cela des petits éléments qui ressurgissent chez les uns, qu'ils ont pris chez les autres, etc. Et ça fait partie de notre marché commun de la musique juive, quoi. C'est un peu cela. Donc j'essaye j'arrive à force d'entendre et d'écouter, j'arrive à me forger un petit peu une sensibilité qui n'est pas toujours visible d'ailleurs dans les partitions. D'ailleurs, je pense qu'on arrive mieux à le percevoir à l'oreille plus que dans une lecture sèche et froide des notes. Bon, par exemple, j'ai entendu récemment sur YouTube, je crois, un officiant marocain qui utilisait finalement le Veshamerou Ashkenaz, Veshamerou, venez Israël, mais chanter avec des petites fantaisies orientales. Il était complètement... Mais il avait gardé le même rythme. J'avais entendu Rue Broca, enfin, au Centre Rachi, Johamar, qui était venu à Paris. Il avait fait son récital marocain, etc., Ismar Moshe, comme il le fait. Et puis, il avait chanté, il vivait beaucoup aux États-Unis, donc il avait été influencé par la musique ashkénaze. Il avait chanté un morceau qui était quasiment ashkénaze, quoi. Voilà. Et puis soyons objectifs et attentifs. Bon nombre d'officiants dans la communauté sont d'origine sfarade et ont pris avec eux de manière magistrale la liturgie ashkénaze. Et l'inverse doit exister aussi. Dans les synagogues, même aujourd'hui, on entend le vendredi soir, pour rester le vendredi soir, le Micha Mocha de Jonas, n'est-ce pas ? Micha Mocha Ba'elim Adoshe Micha Mocha. C'est de la liturgie française, mais dans toutes les synagogues sfarades, on chante ça, c'est devenu monnaie courante. Il y a beaucoup comme ça, d'échanges qui se font, et parfois on oublie que c'était comme ceci et que c'était comme ça. Bon, c'est parti. J'avais chez ma tante, il y avait des 78 tours, pardon. Je crois que les premiers disques que j'avais, c'est Emil Katzman. Il avait un contact et un amour de la liturgie qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Quand j'assistais aux offices de Rosh Hashanah et Kippour à la salle Pleyel avec l'orgue, qui était un grand orgue, ou à la salle Gaveau à l'époque, j'étais gosse, hein, j'avais pas 10 ans, j'avais 10 à peine. Quand on entendait Katzman chanter, pas seulement Kol Nidré, mais même d'autres prières, c'était quelque chose, quoi. Ça reste, ça marque, voilà. Il était notre professeur. C'était lui qui donnait l'apport de musique sfarade, du rite séfarade, puisque il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas d'enseignant de liturgie séfarade. C'était lui. Maintenant, tous les élèves, évidemment, avaient amené avec eux leur tradition, que ce soit Adolphe Attia, que ce soit Armand Benamou ou Jacob Toledano, ils n'avaient pas besoin de cours, pratiquement pas besoin, ils avaient leur propre bagage. M. Mossé nous donnait vraiment le côté liturgique des communautés
portugaise, quoi, de la rue Buffo, qui était sa, sa synagogue. Et je fréquentais beaucoup les offices, notamment vendredi soir. J'avais avec lui aussi assuré quelques offices. Et il m'avait fait chanter la cantate de Simchat Torah. Beaucoup de personnes, la synagogue était pleine parce que beaucoup de personnes venaient, que ce soit les administrateurs du consistoire, les gens des administrateurs de la victoire venaient en bon voisin de la rue Buffo pour l'office de Simchat Torah avec chœur et orgue. C'était un moment très important. Sinon, le vendredi soir, l'organiste de la rue Buffo, c'était monsieur De Soria à l'époque, et c'est lui qui dirigeait en même temps le chœur. Je répétais souvent avec lui la cantate pour être bien, voilà. Et après, j'ai participé, monsieur Mossé m'avait initié même aux offices de semaine pour l'aider un petit peu. Souvent, les mariages à Buffo à l'époque, il y avait parfois, en un dimanche après-midi, il y avait parfois une bonne, presque une dizaine de mariages les uns après les autres, parce que les gens aimaient bien le décor, et puis c'était la synagogue séfarade de l'époque, etc. Donc souvent, je l'aidais pour les Shiva Brachot, le soulager, ou en l'absence du grand rabbin Boer de l'époque, c'est lui qui menait la cérémonie, et puis je faisais les bénédictions. Oui, c'était la section, comme je dis, la section pédagogie-liturgie, donc on nous formait en tant qu'officiant et professeur d'enseignement religieux pour les Talmud Torah et pour les écoles juives, puisque à partir des années 80, j'ai même enseigné à l'école Yavné l'enseignement juif. Mais précédemment, j'avais enseigné dans des Talmud Torah à la Varenne, comme je le disais tout à l'heure, ou autre. Voilà, donc... Et toi, tu as suivi cette formation, donc... je vais l'appeler le petit séminaire, mais c'est, ouais, on l'a compris, ça avait un autre nom. Mais je crois, ouais, que le petit séminaire, c'était le nom qu'on utilisait par rapport au grand séminaire. Est-ce non, en fait, je crois, sauf erreur, en fait, le petit séminaire, c'était un peu Talmud, ça pouvait s'appeler aussi Talmud Torah, c'est-à-dire on prenait des élèves avant le bac, d'accord, et c'est ce qui a été mon cas, et d'autres encore, qui ont incorporé le séminaire, qui était interne au séminaire, et qui suivaient leur cursus enseignement secondaire à Yavné, qui était juste à côté, comme je l'évoquais, et une fois le bac en poste, on devenait élève rabbin ou élève donc de pédagogie-liturgie. C'est ça qui était le cas, et je crois que cette situation-là devait déjà exister depuis très très longtemps. Ça permettait au séminaire de recruter, entre guillemets, des jeunes élèves à partir du moment où ils étaient à l'école Yavné. C'était ça un peu le but, je crois. Compte tenu de l'école Yavné qui fonctionnait ainsi, l'existence de cette section préparatoire petit séminaire, je pense que c'est de cela dont il s'agit, avant de l'incorporer vraiment pour les études de rabbinat qui duraient à l'époque 5 ans et nous c'était 3 ans. Donc à la fin de ce, entre guillemets, petit séminaire, ouais, avant d'intégrer le grand séminaire, tu as, ouais, intégré le grand séminaire directement après le baccalauréat. Oui, c'est ça, oui, oui. Donc c'était en quelle année déjà? Là on devait être en 66, oui c'est ça, 66. Ouais, 66, ouais, donc ça. On avait M. Mossé, on a parlé, qui nous donnait tout l'apport de la sensibilité séfarade. Même il prenait avec lui certains élèves d'origine d'Afrique du Nord, du Maroc, etc. Il leur donnait des conseils, pas plus que des conseils, des approches différentes de ce qui était trop, par exemple, trop nasal ou qui était un petit peu escamoté dans le mode. Ça, c'était Monsieur Mossé. Monsieur Berlinski et Adolphe Attia nous enseignaient la liturgie ashkénaze. On utilisait surtout le Jules Franck, évidemment. C'était la base de l'enseignement. Mais il y avait aussi tout un enseignement que Adolphe Attia restitue dans ses cassettes, d'ailleurs, de toutes les nuances qui sont liées au rituel, c'est-à-dire au sidour ou au marzor. Donc, il nous donnait
beaucoup de, un enseignement assez approfondi là-dessus pour savoir, parce que les livres n'étaient pas toujours bien édités, comment dire ça d'abord, sauter, pas sauter, répéter, pas répéter, etc. Tout un indicatif concernant la liturgie ashkénaze, et ça on l'a appris de cette manière par ces expériences-là, puisque rien n'est marqué, rien n'est codifié, et donc il fallait recueillir les notes. Un des premiers professeurs aussi, après il a quitté, c'était René Jasner aussi, c'est lui qui m'avait appris les prières du matin, les premières bénédictions du matin de, selon le rite, entre guillemets, de Strasbourg, et qui était aussi à Paris. Donc Jasner, Adolphe Attia, M. Berlinski pour la Chazanout Ashkenaz, j'ai dit Mossé. On avait M. Algazi qui nous auditionnait une fois par semaine, hein, oui, une fois par semaine, qui apportait sa note à lui pour nos interprétations, pour ce qu'on faisait. Il était le directeur de cette section liturgie, c'est sûr. Quand tu dis qu'il nous auditionnait, c'est-à-dire... Ben, c'était dans la synagogue, on avait préparé... par exemple, un tel morceau de fête, le Kaddish des trois fêtes. Il portait une très grande attention sur la grammaire, sur la prononciation, sur le phrasé. Et or, c'est un large sujet, c'est que le Jules Franck escamotait bien des choses. Il nous faisait apporter les corrections, soit sur le rythme, soit sur ne serait-ce qu'un soupir, parce que la phrase s'arrête là, etc. Donc ça, c'était son rôle. Mais je crois qu'on a personne d'entre nous n'a gardé une version du Jules Franck corrigée et améliorée par. Alors on l'a gardé dans nos mémoires, mais on l'a peut-être pas toujours mis sur le recueil. Et est-ce qu'il y avait également Alberto Amsi qui était là? Oui. Donc lui n'enseignait que le solfège. Quoi. Il utilisait la méthode. On utilisait les recueils, les cahiers de jeux d'alge, et voilà, il nous faisait solfier. On apprenait beaucoup par oral, puisque savoir mener un office, c'est pas seulement chanter, c'est aussi savoir faire tel arrêt, tel report, telle composition du sidour. Donc je crois que les deux éléments, faut dire qu'à l'époque, les communautés étaient très, très faibles. Je veux dire, les fidèles avaient du mal à suivre. La liturgie ashkénaze est un petit peu difficile parce qu'elle est très... très silencieuse, donc il faut savoir bien mener l'office malgré les grands silences et que les fidèles s'y retrouvent. Un monsieur qui nous a beaucoup marqué aussi, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu pitou arkol, c'est-à-dire développement de la voix. C'était le ténor monsieur Le Breton qui faisait partie du chœur de Léon Algazi à la Victoire, Marcel Le Breton. Il y a des noms qui restent comme ça, qu'on a entendu parfois dans certains enregistrements, je l'ai retrouvé. Une question sur la cantillation biblique en particulier, ça relevait de qui? Est-ce que c'était plutôt du côté du Tanar ou alors c'était... C'était surtout M. Berlinski qui nous a enseigné. Que je dois, complété par Adolphe pour la Megillat Esther, c'est Adolphe, et les Lamentations, c'était Adolphe. Peut-être que ça coïncidait avec peut-être une absence de M. Berlinski, je ne me souviens plus. Donc les deux, hein, M. Berlinski, et vraiment, il nous avait détaillé chaque signe, mais on l'avait appris oralement, il n'y avait pas de partition. Hein. On l'avait appris oralement et il nous faisait découvrir aussi les intonations particulières de Shirataya, je me rappelle, on en avait fait l'objet d'une émission une fois de certaines particularités. Voilà, c'était... en fait, on était un petit peu des recueilleurs. Hein. On était... on glanait, on prenait tout ce qui... Je dis pas que c'était désorganisé, mais enfin, ça venait d'une manière un peu globale, un peu informelle, mais quand même, on a été formé à bonne école, quand même. Et alors, qu'est-ce qui se passait au niveau des rites vraiment séfarades, mais cette fois-ci du Maghreb ils n'ont pas été enseignés, je dirais, à ma connaissance, à moins que dans les années 70, les premières années 70, il y ait eu quelqu'un qui ait enseigné cela. Je ne pense pas. Non, chacun venait avec son bagage de l'enfant. Je relatais ce que me disait le rabbin Roger Twitou,
qui a exercé plusieurs années à Cannes et puis qui a terminé sa carrière au Tournel, ici à Paris. Tout ce qu'il avait, c'était de sa jeunesse, qu'il avait appris dans sa communauté d'origine. Hein. C'était la plupart la plupart avaient cet héritage-là et il n'avait pas été complété par un enseignement, à ma connaissance, hein, je ne pense pas. Alors, est-ce que ce fait justement que dans ces traditions des Juifs d'Afrique du Nord, malgré tout, c'était beaucoup plus quelque chose qui était vécu, transmis oralement, plutôt que institutionnalisé à travers Est-ce que c'est ça qui pourrait expliquer la fermeture de cette école au début des années 70? Pourquoi finalement ce cursus a été abandonné au début des années 70? J'étais pas dans. Non, je n'ai pas d'idée. Peut-être un manque de recrutement aussi. Recrutement. Peut-être que la carrière rabbinique était plus nécessaire à l'époque, en prenant le principe que officiant, on peut toujours, et c'est vrai, même de nos jours, on le voit quand dans des communautés, même en Israël, où je passe une grande partie de mon temps, on n'est pas très, du moment que quelqu'un sait mener un office, ça passe, c'est bon, il y a moins d'exigences. Et peut-être on a voulu se contenter, je ne sais pas ce qui était dans l'esprit des dirigeants communautaires. On s'est dit, on peut toujours trouver un moyen de me faire mener un office par quelqu'un. Et il n'y avait pas eu besoin d'en faire une formation réelle. Alors que pour le rabbinat, c'était quand même plus nécessaire. Et on peut dire que... peut-être qu'un rabbin peut toujours, au pied levé, faire un office. Peut-être c'est ça qui a motivé ce manque-là. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Je ne saurais pas le dire. Monsieur Jasner, par exemple, qui raconte dans un document qui se trouve sur Academ, je crois, il raconte sa carrière. Hein, il a été recruté par le grand Machili de Strasbourg et il est venu, etc. Donc on est à... Je pense à l'aube des années 60, fin des années 50 probablement. C'était l'école rabbinique. Je pense qu'après, j'ai le sentiment que c'est après-guerre où on était dans un vide très très fort. Donc on ne pouvait pas produire entre guillemets des rabbins en grand nombre. Donc cette section permettait rapidement de combler le vide des officiants peut-être. C'était l'ambiance, déjà l'ambiance générale était... une ambiance de travail, une ambiance de vouloir maintenir la flamme, d'apporter quelque chose dans les communautés. Alors c'était sur l'enseignement, c'était sur la qualité des offices. On savait que au sein des fidèles, il y avait une certaine faiblesse, il y avait une certaine ignorance, les gens avaient besoin d'être pilotés, drivés pour les offices. Je me rendais compte à chaque fois, quand j'étais à la Varenne par exemple, la communauté avait besoin d'être soutenue, portée, emportée par l'officiant. C'est ça le rôle qui était très, très, très important pour... faire revivre ces communautés. Quand je me suis rendu à Bayonne, je me souviens des gens qui voulaient garder la liturgie et en faisant le keter de Moussaf. Donc ils attendaient de retrouver cela. Donc c'est ça le souvenir que j'ai essentiel, c'est d'être formé pour redynamiser les offices, la prière, la musique, les intonations, etc. De retrouver cela. Alors, au séminaire, on avait bien sûr, ce qui était marquant, c'était son directeur, il faut le citer, c'était le grand rabbin Henri Chili, qui était un homme d'une dimension vraiment à la fois, sa mémoire a souvent été... retracé par ses enfants. Il y a eu plusieurs cérémonies qui sont aussi sur Academ d'ailleurs que j'ai. Et un livre a été écrit sur ce qu'il a fait, ne serait-ce que dans ces années-là, pour être ouvert à toutes les communautés, c'est-à-dire pas seulement aux Ashkenazim, mais aussi aux corréligionnaires séfarades. Il était en contact, il était ouvert à tous. Les élèves venaient de tous horizons et il les accueillait. Il était très, très attentif à chacun d'entre nous.
très tolérant, très, enfin, voilà, c'est le grand Machili. C'est peut-être lui qui m'a beaucoup inspiré, beaucoup influencé. Il y avait aussi le grand rabbin Guggenheim, le père du grand rabbin de Paris actuel, et puis d'autres personnes encore qui gravitaient dans ce lieu. Voilà.